Le député de Moutamba, Justice Lalessini, au chevet de ses mandants en cette période déclarée d'état d'urgence sanitaire, moment au cours duquel tout le monde doit être confiné en vue de barrer la route au Covid-19. Il fallait leur apporter des explications pour mieux étayer leur compréhension, de sorte que nous puissions sortir victorieux, rangés derrière le gouvernement et le président de la République dans la lutte contre cette pandémie. Nous avons apporté quelques vivres et non-vivres à ces populations pour essayer de soulager la misère de ces populations, parce que le confinement, c'est quelque chose d'assez douloureux à vivre. Donc nous sommes venus leur témoigner cette solidarité-là. Cette descente parlementaire aura permis aux députés de Moutamba de rendre compte à ses mandants des conclusions des travaux de la dernière session extraordinaire de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout de faire un don de vivre aux populations en plein confinement depuis plus d'un mois. Vraiment, comme on dit, si je savais, si je pouvais, pas de commentaires à faire. Il nous manque le mot pour remercier notre député. Parce qu'en temps de confinement, c'est comme on dit, on reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles. Voilà pourquoi nous remercions vraiment notre député pour ce geste. Donc ce qu'il a dit, ça nous a beaucoup pénétré. Et c'est ce qui va faire que tout le monde, chacun de nous, quand il va partir chez lui, il saura comment prendre ses dispositions. Parce que la maladie, là, chacun de nous doit prendre des dispositions. Mais parce que dans les rues, les gens disent que non, ce n'est pas la réalité, ça c'est la maladie des blancs, ici, là, chez nous, ça n'existe pas. Donc maintenant, comme le député est venu, je pense qu'il ne peut pas faire des déplacements comme ça, là, inutiles. Nous tous, en tout cas, nous avons pris bon acte. Il est venu nous soutenir, c'est bon, parce qu'on doit avoir un verre du riz, le poisson salé, machin, ça va nous mettre à l'abri de quelques dépenses. Je remercie le député et le gouvernement congolais. Nous souhaitons à ce que le virus arrête là où il a commencé. L'élu de Moutamba, qui n'est pas à son premier geste, a promis revenir dans sa circonscription juste après le déconfinement.